Beaucoup de questions m'ont été posées au sujet des adolescents. Pendant cette période de confinement, les adolescents voient leur liberté restreinte. Et pour un adolescent qui doit faire des expériences, qui fait des expériences, qui invente le monde de demain, cette période est une période très difficile, très compliquée. Il ne peut plus avoir de relations avec ses copains, ses copines. Il est dans un univers qui est restreint à sa famille, alors que justement, il est au temps des expériences, des nouveautés. Alors, comment faire pour qu'il continue à avoir l'envie de s'ouvrir sur le monde? Ben, c'est d'utiliser Internet, d'utiliser leurs relations avec l'extérieur par l'ordinateur ou par le téléphone portable, mais cette fois-ci pour aller vers des sites qui sont peut-être un peu plus ouverts que ceux qu'ils ont l'habitude de fréquenter. On ne va pas les empêcher de jouer au moment où il faut qu'ils passent du temps pour pouvoir faire justement ces nouvelles expériences. Mais en revanche, on va peut-être leur proposer d'autres sites. Alors il en existe quatre que je vous conseille. Créapils, qui est un site de création artistique. Le site de la BNF, qui ouvre à des ressources importantes de la culture française. Le site de l'UNESCO, qui ouvre à des cultures différentes par le monde, à des musées, mais aussi à des collections d'objets culturels. Et puis, un site qui s'appelle Open-Culture, qui est facile d'accès et qui propose 1500 titres de films à la fois coréens, russes, américains, français, qui ne sont pas des films qu'ils ont l'habitude de regarder seuls. Alors ce ne sont pas l'accès aux séries habituelles et peut-être que ça va leur donner une autre vision du monde. Il faut également les engager à user davantage du téléphone que des réseaux sociaux quand ils parlent avec leurs copains. Pourquoi? Parce que d'abord, le copain, on le choisit. Et on va l'appeler pour une chose précise. On va préparer sa communication, et notamment par rapport aux devoirs. Les enseignants donnent du travail, beaucoup de travail, trop de travail parfois, parce que c'est du télétravail et que nos enfants ne sont pas préparés du tout à ce télétravail. Enfin, les adolescents ont une maîtrise de la technique supérieure à la nôtre. Pourquoi ne pas l'utiliser dans cette période pour leur proposer de tenir le journal de la maisonnée et de fabriquer des souvenirs pour tout le monde, que ce soit avec des photos sur leur téléphone, que ce soit des montages vidéo. En leur confiant la responsabilité de cette chronique, vous les mettez au cœur de la famille et c'est une place qu'ils n'ont pas l'habitude de tenir. Thank you.